Cham, t'aurais pas des meufs en réserve là où tu vas des fois? Non, je partage pas mes meufs, moi. C'est un crevard. C'est ça. Putain, tu fais chier, Thibaut. Bah allez, c'est bon, ça va. Mais non, ça va pas. Si t'étais arrivé à l'heure, on aurait pu commencer avant que ça ferme. Mais enfin, à la base, avec Thibaut, on avait proposé 11h du mat. Ouais, bah moi, je peux pas. Il y en a qui bossent, tu vois. Bon, hé, Muriel, c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. On a failli pas t'attendre. Oui, allez, file. Bon, ils sont à peine une douzaine. De toute façon, c'est bon pour nous. On va s'en servir. Ça suffit. Homophobie, ça suffit. Homophobie, ça suffit. Homophobie, ça suffit. Ah, c'est bien que tu sois venu, Rose. C'est important. Par contre, dis-moi, Thibaut, faire un blocus comme ça pour la fermeture, ça sert pas un peu à rien. C'est le symbole qui compte. Elle chouffe. Chouffe. Il chouffe. Qu'est-ce que tu veux? Elle est célibataire maintenant. Bah, c'est bien, tu me passeras son 06. T'es trop con. Mais t'es trop bête, quoi. Pas le tour de la ville, mais sachez qu'ici on a l'habitude de se retrouver ici, sous la queue de ce magnifique cheval. Mais le maire d'Yverdon du 2e arrondissement aimerait bien que certains ne se retrouvent pas ici. Fabrice Pasturel trouve indigne que la préfecture ait autorisé l'arrivée de la prochaine Gay Pride ici, sur la magnifique place Bellecour, et pour la première fois depuis plusieurs années. Je m'apprête à retrouver les militants LGBT du point G qui sont partis protester sous ces fenêtres. Homophobie, ça suffit. Homophobie, ça suffit. Le mariage, ça a pas tout réglé. L'homophobie, elle revient en force aujourd'hui. En 2017, il y a 6 fois plus de suicides chez les homos. Et plus d'un quart des SDF sont des gays. Alors maintenant, faut rien lâcher. Alors je compte sur vous. Les chames ? Je vais faire un peu de course, tu veux quelque chose ? Non, j'ai besoin de rien, Najette. Hicham, ça va ? C'est bon, ça va. Des millions de gens vont rejoindre le combat. Parce qu'on en a besoin. En tout cas, l'appel est lancé. Thank you.
Bonjour. Tu sais pas lire? Une soirée par semaine, c'est tout ce qu'on demande. Je cherche Thibaut, j'ai Karine. Avoir une bite, ça oblige pas à être con, merde. Ouais, Claude. Quoi, maintenant? Ouais, bon, j'arrive. L'égalité entre époux est un mythe violent. La femme est attirée par l'homme quand il incarne puissance et virilité. Non, et moi, j'ai honte rien que de le dire à voix haute, lui, il écrit tranquille. Non, mais vraiment, toutes les semaines? Désolé, Claude m'attend au bureau. Ouais, t'es lourd. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rose. Elle a lancé un feuilleton sur la polémique avec le maire du deuxième. Évidemment, l'équipe du maire suit de près la réaction des militants LGBT du point G. Et je vous laisse deviner qui a pu rencontrer le directeur de cabinet du maire. C'est Rose. Protéger les jeunes de la décadence de la Gay Pride, c'est légitime. Il a dit quoi, lui? Il est resté bloqué dans les années 50 ou quoi? C'est qui, ce mec? C'est son dire-cab. Tu remarqueras que Pastorel prend pas la peine de répondre lui-même. Les homosexuels peuvent se marier, ils peuvent adopter au mépris de l'intérêt de l'enfant. Alors qui peut dire qu'ils sont encore discriminés? À part des groupuscules intégristes. D'ailleurs, Fabrice Pasturel a gagné 2 points dans les sondages. C'est désormais le candidat le plus sérieux pour rassembler la droite lors des prochaines municipales. C'est vrai ce qu'ils disent, connard? Putain, l'enfer. Trump, la région, maintenant ils vont nous faire le coup à la mairie, quoi. Plus personne nous entend, on se fait défoncer de partout. Ouais, mais pourtant, on lâche rien. Ouais, enfin, excuse-moi, ton blocus, là, non seulement il y avait personne... Mais Muriel, les gens viennent pas! Mais parce que c'était ringard! Il faut du neuf, les mecs, là! Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Attends, c'était quoi? Je vais t'en payer un autre. Non, t'inquiète pas. Viens. Tu m'en mets un, s'il te plaît? Un coca, s'il vous plaît. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je peux... Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Je suis un peu bourré, je regarde pas où je vais. Bon, bah merci, alors. Je m'appelle Amaury. Amaury? Non, c'est Hicham. Hicham? T'es nouveau ici? Quand j'avais ton âge, c'était un peu mon QG. Je t'ai pas vu depuis très longtemps. Ça a pas trop changé. Enfin, moins que moi, en tout cas. Alors, dis-moi. Qui es-tu, Hicham?